In remembrance of Baba. Dans le souvenir de Baba, je crée chaque pensée chaque pensée emplie d'amour pour toutes les âmes du monde. I spread the vibrations of pure thoughts. Je répands des vibrations de pensées pures. I create thoughts of peace. Je crée des pensées de paix. And create the stage of being carefree. Et ainsi, je crée mon niveau d'être sans souci. Car j'ai la foi en Baba et en Drama. And it is with determination. Et c'est avec beaucoup de détermination. Keep the awareness of being victorious soul. Que je garde cette conscience d'être victorieux. I use Baba's light and power for my own self. J'utilise le pouvoir et la lumière de Baba pour le soi. And then I spread. Et ensuite, je répands des rayons de lumière et des rayons de pouvoir pour toutes les âmes du monde. Nous sommes tous collectivement des projecteurs de souvenirs de Baba. Afin de créer une atmosphère de paix et de pouvoir. Et l'environnement que nous créons à travers ces vibrations. Garde l'intellect et l'esprit de chacun dans des vibrations vraiment aimantes et paisibles. Alors, je prends de Baba et ensuite je partage avec chaque âme du monde. Maintenant, nous prenons le Drishti de Baba et nous recevons sa lumière et son pouvoir. Dadi Prakashmani, le joyau de lumière. D'être un instrument, la douceur dans les mots, l'humilité dans le service du monde, le joyau de lumière, Dadi Prakashmani. Tellement une fortune élevée, vous pouvez la créer pour vous-même et pour les autres. Ce n'est pas un gros problème.
Pour la nouvelle année, vous ferez cela, non? Alors, voyons combien lève la main. Moi aussi, je verrai combien lève la main. Ce sacrifice n'a-t-il pas été fait? Alors, pendant un an, sacrifiez toute impureté, toute animosité et ce qui vous égare vers les plaisirs sensuels. Alors, vous deviendrez une personne formidable et chanceuse. Je n'ai rien dit pour vous offenser, non? C'est possible, non? C'est faisable, non? Cela peut être fait, n'est-ce pas? N'est-ce pas, ma sœur? Est-ce que je devrais dire la troisième chose? Direz-vous que, Daddy, je m'excuse à l'avance, nous avons de bons vœux. C'est l'expérience de centaines de milliers de nos frères et sœurs de vivre une vie de sacrifice, Tiag, et de tapatia. Faites d'abord le sacrifice, ensuite faites de la tapatia, et ensuite il y aura le succès dans le service. La troisième chose est, il a été chanté, telle est la nourriture, ainsi est l'esprit. Et comme est la société, la couleur est aussi comme cela. Donc, premièrement, s'il y a une mauvaise compagnie, alors éloignez-vous d'elle ou essayez de la réformer. Il y avait une session précédente sur la liberté de la dépendance. Il est plus important d'aider à éliminer la dépendance de la société. Autant que possible, éloignez-vous vous-même de la dépendance et aidez les autres à rester à l'écart de celle-ci. Que fait la dépendance sur votre corps, sur notre esprit, sur notre richesse? Cela ruine tous les trois. Alors, s'il y a de la mauvaise habitude, n'est-il pas génial de les abandonner? Ou dirions-nous que je ne peux pas les abandonner car c'est très difficile de le faire? L'être humain ne peut-il pas faire ce qu'il souhaite vraiment? Est-il bon de boire de l'alcool, de fumer du tabac, de manger de la viande, etc.? C'est si sale. Daddy dit, qu'est-ce que c'est? Tout cela est de la nourriture digne des animaux. Oh, chers êtres humains, vous êtes des divinités. Pourquoi consommez-vous des aliments qui contiennent des animaux? Quelqu'un m'a dit un jour, Daddy, tu nous demandes de ne pas manger de viande, mais si nous ne mangeons pas d'animaux, alors la population d'animaux augmentera de façon incontrôlable. Pour cela, je dis, la population d'êtres humains a augmenté dans tous les pays. Alors dirions-nous qu'il faut tuer et manger des humains? Feriez-vous cela pour réduire leur population? Allez-vous manger ne serait-ce qu'un doigt d'humain après l'avoir coupé et cuisiné? Ou tuer des animaux et les manger? De quel genre d'acte de bienfaisance s'agit-il? Pourquoi en manges-tu? La terre nous donne une telle nourriture pure. Il a chanté « Soupe de lentilles, dalles, sucrées, sirah halva » et demandé du beurre clarifié du ghee. Trouvez un moyen de rester heureux tous les jours. Mangez tout cela et expérimentez le bonheur. C'est de la nourriture tamasique où vous faites des actions pécheresses en tuant. On a dit que celui qui tue, celui qui vend, celui qui cuisine et celui qui mange, le même péché retombe sur chacun d'eux. Alors, que sommes-nous? Âme pécheresse ou âme charitable? Que voulons-nous devenir, une âme pécheresse ou une âme charitable? Toute cette nourriture tamogumi, ce régime et ce style de vie consistant à boire de l'alcool, à tuer et à manger des animaux, d'abord, abandonnez tout cela vous-même et ensuite vous serez en mesure d'inspirer les autres à le faire aussi.
Om Shanti. Om Shanti. Tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux. Non pas seulement heureux, mais très heureux. Parce que lorsque nous sommes heureux, nous sommes capables d'être légers, autrement il y a de la lourdeur. Et Baba dit, c'est dans mon souvenir. C'est grâce à mon souvenir que vous pouvez être heureux, mais s'imprégner des vertus divines. Comment est-ce que nous nous imprégnons des vertus divines? Il y a une très, très longue liste de vertus divines. Il y en a qui disent 36, d'autres qui disent 56. Et les vertus, non pas seulement dans notre conscience, mais aussi dans nos interactions, dans nos relations. Ce que j'ai remarqué avec les dadis, que lorsque quiconque d'entre nous allait les rencontrer et que nous partageons le drishti avec elle, elle nous donnait le drishti. Et c'est à travers le troisième œil de la connaissance que Daddy me regardait, regardait mes spécialités. Aussi, parce que je fais partie du yagya, elle voyait aussi mon rôle dans le yagya. Et toujours, elle parlait à propos de ses spécialités. Pendant tant d'années à avoir des relations avec elle, chaque fois que j'allais la voir, Daddy, tu peux me dire qu'est-ce que je peux faire de plus, quelle sorte de changement, quel changement je peux faire. Elle disait, tu es sensible, donc tu sais quoi changer. Alors aujourd'hui, j'ai pensé que s'imprégner des vertus divines, ce n'est possible qu'à travers l'œil de la connaissance, que je regarde les qualités, les vertus, les spécialités de chaque âme. Baba ne nous aurait pas choisi si nous n'avions pas eu de spécialité, même si vous avez l'air très simple. Mais chacun a des spécialités et aussi un rôle spécial à jouer dans le yagya, pour le yagya. Donc, la première qualité que nous expérimentons et que nous sommes capables de s'imprégner, c'est la qualité de l'amour, comme les dadis, Baba aussi. J'ai encore la chair de poule avec ma première rencontre avec Baba. Premièrement, nous étions si agités, on disait, on rentrait dans le train ici. On était dans le souvenir de Shiv Baba. Shiv Baba va entrer dans le corps de Brahma Baba et on chantait, faisait du chanting Baba, Brahma Baba. Jusqu'au matin, lorsque je suis allée m'asseoir devant Brahma Baba et maman, les deux étaient là. Alors, Shiv Baba est venu dans Brahma Baba, il me donnait le drishti, m'a donné le drishti. Alors, Baba nous a donné ce troisième œil pour regarder l'âme. Je pense que c'est quelque chose de très, très beau. Autrement, avec ses yeux physiques, nous regardons les choses physiques. Mais j'ai besoin de regarder chacun. En fait, c'est de trouver les qualités, les spécialités de chacun. Non seulement lorsque je suis avec elle à travers la drishti, non pas seulement partager cette vertu,
mais Mimo aussi. Elle est une âme très spéciale et celle-ci est très aimante. À chaque, à travers Mimo, je dois parler des qualités de chacune parce que chacune a beaucoup de belles qualités, mais l'amour, quelle que soit l'âme, je dois l'aimer. Parce que nous devrions nous souvenir que lorsque j'ai cette qualité d'amour en moi, mon souvenir est bon, sinon il y a des obstacles subtils. Ne pas aimer une âme ou des âmes, nous avons des obstacles dans notre souvenir parce que ces pensées continuent d'arriver et nous perturbent, nous distraient. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment pensé lorsqu'il y a d'un amour naturel. L'amour crée de belles relations et aussi nous aide aussi à régler les comptes karmiques passés. L'amour définitivement nous aide à dépasser les difficultés. Il ne devrait pas y avoir de difficultés, mais si jamais il y en avait, ce serait avec amour. Baba a dit, souvenez-vous toujours que vous êtes en train de devenir des déités. Alors, qu'est-ce que les déités ont? Elles ont de l'amour. Et lorsqu'il y a de l'amour, il y a toujours, toujours la paix, une autre qualité. Notre qualité divine, c'est la paix, c'est d'être paisible. Et lorsqu'il y a de l'amour et la paix, ensuite les autres qualités comme la douceur. Alors, mes interactions avec les vertus divines, non seulement à l'intérieur dans mon esprit, mais que ça passe à travers mes mots, à travers mes actions. Lorsque Baba dit d'inculquer ou de s'imprégner des vertus divines, non seulement s'en imprégner, mais si je m'en imprègne, cela doit venir dans mes interactions, n'est-ce pas? Hier, nous avons entendu parler d'une daddy âgée. Qu'elles ont à dire, ce qu'elles ont à dire. Mais lorsqu'elles le disent avec amour, il n'y a aucun sentiment mauvais de quelque sorte que ce soit à l'intérieur. Parce que si mes sentiments ne sont pas bons, alors je ne vais pas me sentir bien, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il y a de l'amour, les sentiments sont bons. C'est pour cela que Baba aujourd'hui a dit beaucoup très souvent que la pureté est très importante. Alors, en ce temps-ci, ce qui est nécessaire, ce sont des sentiments purs. Parce que les sentiments purs ont beaucoup de pouvoir et ça m'apporte du pouvoir à moi-même en tout premier parce que la pureté, c'est le pouvoir. Donc, je me sens puissante et ensuite, je suis capable de créer cette atmosphère, cette relation qui est très, très puissante, très, très douce. Nous pensons à propos de niveau karmatite, le niveau avyak, mais ce que nous avons besoin de faire en ce temps-ci, c'est de devenir groupe et basante. Est-ce que votre visage montre tout ce qui est dit? Il y a un visage à côté de mon esprit, donc ce qu'il y a dans mon esprit apparaît dans mon visage. Je me rappelle qu'il y avait une question que nous avions dans la famille. C'est premièrement lorsque vous rencontrez quelqu'un pour un moment, partagez le drishti, ensuite de dire Om Shanti.
De cette façon, ces jours-ci, on dit Om Shanti, mais si nous le disons, nous ne partageons plus le drishti de nos jours. Alors, il y a des choses à l'intérieur de la famille brahmine, parce que mon groupe m'a pour visage. Et ensuite, je dis Om Shanti. Ce n'est pas une tradition qui est très simple, mais c'est une tradition pour nettoyer mes sentiments. Om Shanti, on se dit Om Shanti les uns les autres. Et vraiment, lorsque vous partagez le drishti, une expression qui va venir sur votre visage, ce sera de la joie. Aussitôt que nous disons Om Shanti, notre visage devient joyeux. Rupa. Alors, comment devenir d'être de bonne humeur? C'est de regarder chaque âme en tant qu'âme, que c'est l'enfant de Baba, éternellement pur. Il peut y avoir beaucoup de belles pensées pour chacun. Au lieu de dire un tel ou une telle est comme ceci, mais ça, c'est de la conscience et du corps. Nous n'utilisons pas à ce moment-là notre troisième œil de la connaissance. Alors, dans le Murli, le mot principal, c'est la connaissance. Aujourd'hui, Baba a dit le troisième œil de la connaissance. Et ensuite, Baba a dit Rupa Basant. J'aime ça beaucoup, Rupa Basant. Que vous êtes l'incarnation de cela. Et Basant, ça veut dire que vous parlez toujours de belles choses, vous partagez toujours de belles choses avec les autres. Avec le langage spirituel, nous appelons ça le chit-chat. Et aussi intérieurement, juste dire combien ses qualités sont belles, ou combien elle est bonne dans tel aspect. Ici, je le dis du fond de mon cœur et dans mon esprit, toutes ces belles qualités de chacune des âmes, de toutes les âmes. Alors, il y aura de la joie, il y aura du bonheur. Vous jouez avec les qualités, vous jouez avec les vertus, imaginez. Parce que les pensées viennent toujours dans l'esprit, elles ne s'arrêtent jamais. Mais pensez à Baba, pensez aussi à la famille de Baba, aux enfants de Baba, pensez à toutes les âmes. Je me souviens plusieurs au début, lorsque j'allais à Madhuban, dans les premiers temps. Beaucoup d'âmes venaient, n'étaient pas nécessairement éduquées. Elles venaient des villages parce que le service débutait dans les villages. Elles n'étaient pas éduquées, mais la façon que Baba les regardait. Beaucoup, beaucoup de différentes âmes viennent dans mon esprit. Comment Baba les regardait? À quel point il les regardait avec amour. Elle venait pour s'asseoir, méditer. Une jeune fille ensuite qui a grandi, elle avait choisi un endroit très joli dans la Apanavavan où elle coupait les feuilles, elle nettoyait, donc cela prend du temps. À chaque fois que vous alliez dans ce coin-là, elle souriait et elle coupait, elle entretenait les plants. Et Baba disait de regarder les qualités et au moins il y a la reconnaissance de Dieu et l'acceptation aussi de la vie de pureté. Alors, ces deux choses, ce sont les qualités principales, reconnaître Baba. C'est pour cela que nous sommes venus à Baba et nous sommes devenus une seule famille. Et nous avons tous accepté la renonciation, la vie de Tapasya. Alors, nous avons tant de similitudes entre nous. Et éternellement,
éternellement, et c'est sûr que les sanskars vont être différents. Alors, il ne devrait y avoir aucun problème, que je devrais profiter de chacun des sanskars. Et je me souviens de Dadi Prakashmani, elle est devenue, Baba lui a donné beaucoup de responsabilités, il y avait beaucoup de travail. Prendre soin du yagya, faire des programmes, la construction était en marche. Donc, Didi Manmohini pensait qu'elle devrait avoir une soeur plus jeune qui pourrait l'aider. À ce moment-là, j'étais plus jeune. Et la petite Mohini de Madhuban, elle souriait toujours. Et ils l'ont gardée avec Dadi Prakashmani juste pour la garder un peu joyeuse parce que son intellect était devenu tellement occupé. Donc, une énergie qui est joyeuse, de bonne humeur, c'est très bon. Elle s'assoyait, elle partageait, même lorsque nous allions voir Dadi Prakashmani, elle était là. C'était une personne très divertissante. Aujourd'hui, qui était plus agréable et toujours avoir quelque chose de bien à dire. Alors, de cette façon, nos pétales s'ouvrent comme des fleurs, s'épanouissent comme une belle fleur. Et donc, le divertissement n'est pas nécessairement chanté, mais d'être si de bonne humeur, d'être accueillant. Autrement, l'énergie dort un petit peu à l'intérieur ou glisse à l'intérieur. Donc, chacun de nous, nous sommes tous les enfants spéciaux de Baba. Et nous avons tous, nous étudions tous à la même université, nous avons les mêmes professeurs, les mêmes parents, les mêmes gourous. Et lorsque nous allons retourner, nous allons rester dans la même maison, le même but dans la vie. Il y en a qui vont faire le même service, il y en a qui ça va être avec les actions, d'autres avec les mots. Il y a personne qui n'aime pas le service. En gros, nous sommes tous semblables, nos robes sont pareilles, semblables, notre nourriture est semblable. Alors, les vertus divines en interaction, toujours regarder, utiliser le troisième œil de la connaissance pour regarder l'autre. Et je pense que cela peut éveiller beaucoup de qualités, beaucoup de pouvoir. Et c'est la plus grande coopération qui est nécessaire à ce moment-ci. Alors, inculquer les vertus divines, être heureux. Et lorsque vous avez de telles vibrations, Baba dit, il y a de l'attraction lorsque nous avons de telles vibrations. Notre Daddy Junkie, lorsqu'on la regarde physiquement, très petite, et Daddy Prakashmani, comme Daddy Prakashmani, avait une grande personnalité, mais encore là, il y avait tant d'attraction, tant d'attirance vers elle. Parce qu'elle était une âme ancêtre, donc elle pensait toujours, mais qu'est-ce que je dois faire en tant qu'âme ancêtre? Donc, donner de l'amour à chacun. Alors, nous sommes tous des âmes ancêtres, des déités. Baba dit, lorsque vous allez dans les temples, vous regardez les déités, elles ont l'air tellement joyeuses. Toutes les
Les déités étaient vraiment joyeux et aimaient s'amuser aussi. Leurs yeux parlent. Nous avons aussi le petit Krishna. Et quand vous passez, il veut toujours dire bonjour. Même le petit, la petite statue. Et tous, et nous devenons réels et tout cela devient réel. Donc, être accueillant, quelqu'un qui est accueillant, vous voulez parler, vous voulez partager. Et vous regardez combien il sourit, même assis. Give some company, so I put next to him, so at least they both can play together. And that's just a little, must be a toy or whatever. But the sister would decorate. Okay, elle parle du petit Krishna, de la petite poupée. Donc d'avoir de la bhavna, et à cause de cette bhavna, le sentiment de cette bhavna de regarder un petit enfant. La même chose devrait être pour notre personnalité à l'âge de confluence, que chacun devrait se sentir accueilli, parce que regardez dans le monde, les gens, ce qu'ils ont à passer au travers. Donc, nous devons être très, très doux, paisibles, aimants, donc, afin qu'ils puissent prendre du pouvoir et se sentir heureux aussi. Le dernier mot, Baba dit, nous créons un tel monde que donc, je deviens, nous devenons tous et nous créons le royaume des déités. Om Shanti. Le Merli, source de vérité, écoutez, pratiquez, expérimentez. Om Shanti, c'est bon. Maintenant, nous allons avoir notre pratique pour demain. Les points pour demain, j'aimerais inviter Ken Bai, qui va aussi se rattraper un peu pour hier. Alors, bienvenue, Brother Ken. Om Shanti, chacun. Il dit, c'est le drama, l'Internet. L'Internet est arrêté. Nous avons eu un petit peu plus de pouvoir aujourd'hui. Donc, il est au centre principal. Et comme tu parlais, Didi, j'étais perdue dans les mémoires des Daddy et bien sûr dans les rencontres de Babdada et de la connaissance dans les années 70. Nous avons rencontré Baba tellement, j'ai rencontré Baba tellement, tellement souvent et j'ai eu cette expérience de Drishti juste un à un que Baba me donnait le Drishti. Et c'est vrai, Baba était capable de regarder à travers tout. Il voyait le niveau originel de l'âme, il voyait la beauté, la perfection de l'âme. Et bien sûr, on pouvait le regarder pendant des heures et quelquefois, c'était même toute la nuit. Il rencontrait celui-ci, celui-là. Il y a tant de variétés d'âmes et Baba le donnait à chacun tant d'amour. Et lorsqu'il le disait, c'est parce que je suis l'océan de la connaissance que je peux avoir tellement d'amour. Et avec tout ce qu'il savait, il n'avait aucune autre option que d'être bienveillant. Bien sûr, il veut que nous devenions aussi tels que lui. Alors, je me souviens, ce Drishti, bien sûr, c'est comme une épée dans les yeux. Juste ce sentiment pur, l'élévation de l'âme. Bon, de toute façon, cette idée de vraiment focusser sur différentes
différents aspects du Merlis. Cela nous garde tellement engagés. Lorsque je suis venue, lorsque j'étais en Australie, une année au moins, il n'y avait aucun Merlis. Il y avait des dizaines. Le Merlis faisait 10 pages qui étaient traduites par Adnan Kishore. Et en 1977, lorsqu'elle a vu ce que nous avions comme Merlis, Didji disait, « Oh, ça devrait être traduit. » Et de toute façon, pour moi, pour comprendre, j'ai commencé à écrire. Et c'est vraiment une bonne chose à faire, d'écrire les points du Merlis. Et Dadi, elle disait, tu devrais écrire un livre sur la connaissance. Et donc, sans hésitation, elle a dit, l'âme, le Dieu, le karma, la loi du karma. Donc, j'ai commencé à écrire ce livre qui est devenu le New Beginnings. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour devenir toujours prêt? Je vais trouver des points là-dessus. Comment je peux devenir au plus puissant? Je vais trouver des points là-dessus. Et même le cycle, c'est incroyable aujourd'hui combien de choses que Baba a mentionné à propos du cycle. Le début, le milieu et la fin. OK, Brother Ken, ralentis un petit peu. Le vieux ou neuf. La répétition de l'histoire et de la géographie, toutes ces choses. Lorsque nous focusons sur le cycle, nous avons un contexte pour nos efforts, spécialement comprendre que j'ai à l'intérieur de moi. Ce niveau Satupradhan enregistré à moi à travers le cycle. Donc, je ne peux pas devenir. Je suis devenu distant de cela, mais je dois vraiment l'éveiller à nouveau. Mais qu'est-ce que je dois faire pour devenir Satupradhan? Je dois commencer à voir les choses comme Baba les voit. Je dois devenir digne. C'est une autre chose aussi. Digne d'adoration à adorateur. Nous pouvons voir toute l'image et nous pouvons voir notre rôle dans cette image, notre rôle dans ce jeu, dans cette pièce. Le temps, le temps n'a pas de fin, c'est facile pour les gens de comprendre, mais que le temps n'a pas de début, c'est difficile à comprendre pour les gens. Et donc, pensez à votre meilleure expérience, à votre méditation. Et cette expérience va se répéter à chaque cycle. Aujourd'hui, parce que nous regardons tous ces mots qui sont les mots divertissants, la connaissance, l'attraction. L'Amrit Vela avait commencé avec cette simplicité que je suis devant l'unique, celui qui m'enseigne. Et il a une forme tellement simple, les 3 points pour me rapprocher pour mon niveau, pour la journée. La façon que Baba, donc Baba, comment est-ce que Baba essaie de nous amener vers la paix, la douceur. Et donc, le mot divertissement en hindi, c'est différent que celui en anglais. Et donc, c'est vraiment être épanoui, être empli de bonheur. Donc, lorsque nous regardons les scènes du drama, lorsque nous regardons cela, avec le troisième œil, il y a. Donc, nous allons toujours regarder cela de façon très heureuse, de façon très légère. Les trafics contrôle, c'était de vérifier le niveau de mon ivresse spirituelle. Bien sûr que c'est connecté avec ce que je vais devenir, ce que je suis en train de devenir. Et en fait, pour devenir Satupradhan, je dois vraiment connecter pour tout
Je dois connecter avec la vérité dans tout, dans toute chose. Donc, je connecte mon niveau Sato avec le niveau Sato des autres choses. Je ne peux pas faire autrement que de devenir Sato Pradhan. Et lorsque nous faisons notre bilan, donc de vérifier mon expérience, l'attraction de la curité qui est notre nature, qui est directement... C'est que lorsque les gens deviennent purs, c'est vraiment attirant naturellement. J'étais dans une rencontre et j'ai demandé à Baba, qu'est-ce que... Donc, ce que nous devrions publiciser, c'est la pureté. Nous devrions publiciser ce que nous faisons, c'est pour la pureté. Donc, pour demain, on va regarder un peu. Alors, demain, il y a... Donc, vous pouvez voir qu'il y a la connaissance. La connaissance d'être heureux, le monde, comprendre, compréhension, les trois mots que nous allons retenir. C'est la connaissance, le monde et la déité. C'est ce que je suis en train de devenir. C'est là-dessus que je devrais focusser. Je suis en train de devenir ce que j'étais, homme, so homme. Donc, cette vision de l'âme dans son niveau le plus élevé est si attirant pour nous. Les autres, nous devrions danser dans notre niveau de déité. Lorsque nous écoutons le Murli, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre en ce moment-ci? Vous pouvez mettre le travail pour demain. Donc, écoutez, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre maintenant pour devenir merveilleusement heureux en ce moment? Donc, tellement heureux, empli de félicité de la pratique des trafics contrôles. Je vais vérifier ma conscience. C'est vraiment essentiel de vérifier ma conscience d'être en train de passer de l'âge d'or, de l'âge de confluence à l'âge d'or. Donc, d'être, je suis brahmine et je suis en train de devenir une déité à vérifier à chaque fois des trafics contrôles et l'expérience pour le bilan. Quel a été mon niveau de simplicité dans ma compréhension et dans mes actions? Comment est-ce que je demeure simple dans mon niveau de simplicité? Et ensuite, pour l'abri de Villa demain matin, alors je deviens un projecteur pour les endroits où je sers. Devenir vraiment un projecteur pour les endroits où je sais la vraie activité dans l'âge de confluence et de servir, de devenir une âme charitable. Donc, vérifier combien je deviens ou à quel point je deviens projecteur. Donc, nous partageons avec les autres tant de joie et nous absorbons tant de joie d'aller dans les profondeurs du Murli Om Shanti. Brother Ken. Moini Benzi. Dis merci d'avoir d'être déménagé de où il était jusqu'au centre pour continuer. Et dit c'est rien. Je profite tellement et j'ai tellement de plaisir à vous rencontrer. De toute façon, c'est tellement beau à Saranagra, à l'endroit où il était. Elle dit, maintenant, tu es dans ta chambre. Elle dit, on devrait t'envoyer des fleurs. Nous avons reçu tant de fleurs. Donc, elle parle des fleurs qui... Tulips, one sister brings every Wednesday. Donc, elle dit, je vois les tulipes. Elle dit, il y a une sœur qui vient chaque jeudi. Elle apporte des tulipes. Il y en a qui ont des inspirations ces jours-ci parce que à cause de la COVID, ce n'est pas facile d'avoir de bonnes fleurs. Donc, vous les trouvez, mais ce n'est pas facile. Donc, c'est un gros sacrifice ceux qui viennent marcher à Manhattan.
lanterne, c'est un grand marché de fleurs. Alors, ils vont à 2h30, 3h du matin pour aller acheter des fleurs. Donc, c'est un grand sacrifice. C'est très... C'est vraiment agréable de t'avoir avec nous et de te voir à chaque soir. Alors, Om Shanti. Om Shanti, Didi. Om Shanti, everyone. Shanti, bienvenue à Via, le voyage à Viac, le jour de Babdada, la transformation, le pouvoir de transformation de la vision de Babdada. Alors, il y a 4 pèlerinages, endroits de pèlerinage à Madhuban. Alors, avez-vous visité ces quatre endroits de pèlerinage? Quiconque vient à Madhuban, est-ce que vous êtes allé à Pandavan? La première chose à voir, c'est la tour de la paix. Ensuite, il y a la Baba's Room, la chambre à Baba. C'est l'endroit de l'amour. Troisièmement, il y a la Baba's Hut. C'est l'endroit pour les rencontres agréables. Quatrièmement, Historial. Donc, est-ce que vous avez visité les 4 endroits de pèlerinage? Oui? Vous l'avez fait? Acha? La connaissance, c'est votre source de revenus, le Murli, l'importance du Murli par Bab Dada. De nos jours, Maya tente sa chance de 2 manières particulières. Elle se présente sous 2 formes. L'une est le gaspillage des pensées. Et l'autre est que parfois, il y a cette vague. Donc, une vague de pensées. Alors, vous pensez... Tout ce que j'ai fait ou pensé était juste. Je ne suis pas moindre. Donc, ces vagues de pensées, hein, tout ce que j'ai fait ou pensé était juste, je ne suis pas moindre. Alors, Baba dit, cette vague se propage. Et vous pensez aussi, je suis le seul à avoir raison. Cependant, ceux qui entrent en relation avec vous, cependant, ceux qui entrent en relation avec vous et ceux qui sont des instruments, donc ceux qui entrent en relation avec vous et ceux qui sont des instruments, sont-ils également en accord avec vos pensées?
Vous devriez également recevoir une vérification des autres. Vous devriez recevoir le retour des autres. Ces pensées de gaspillage vous font perdre du temps. Et c'est pourquoi chaque jour, Baba vous donne dans son murli des devoirs quotidiens de barattage et de service. Donc, Baba nous donne des devoirs de quotidiens de barattage et de service. Alors, si vous barattez ou si vous absorbez, alors ces devoirs quotidiens sont un moyen de garder votre esprit occupé. Alors, c'est pourquoi Bab Dada vous donne des devoirs quotidiens pour écouter, barater et absorber. Baba nous donne des devoirs quotidiens. D'écouter, de barattage et de s'absorber. Tout comme les enfants ont tellement de devoirs, de la même façon que tous les enfants ont tant de devoirs que leur intellect reste occupé à cela. Dans chaque murli, chaque jour, il y a le devoir sur 4 sujets. Il y a les devoirs pour l'esprit, pour vos paroles, pour l'attention à vos actes, et aussi un signal qui nous amène à la divinité. Donc, pour l'esprit, les paroles et les actes, et aussi pour la divinité. Alors, si vous restez occupé avec vos devoirs, aucune marge de gaspillage viendra. Si vous restez occupé avec vos devoirs, aucune marge de gaspillage viendra. Si vous continuez à adopter cette méthode, les pensées perdues vous diront automatiquement adieu. Si vous continuez à absorber cette méthode, les pensées perdues vous diront automatiquement adieu. Yara Madhuban meri aankhon mein cha gaya dilwala Madhuban ka baba dilwala Madhuban ka baba dil mein samaya hai Madhuban kitna madhur madhur hai Madhuban kitna madhur madhur hai Sada ye aankhon mein chhaya hai Sada ye aankhon mein chhaya hai Dilwala Madhuban ka baba Dilwala Madhuban ka baba Dil mein samaya hai
मधुबन कितना मधुर मधुर है मधुबन कितना मधुर मधुर है।